Hello, il y a un petit chat qui vient me réveiller en lendemain de soirée. Où sont les copains? C'est bon. Ah, c'est quoi ce Necrondom là-bas? Oh, la police! Salut la La police! police, coucou! Coucou la police! Alors, les gars, Belle c'était Marianne! toujours la fin de la soirée? Venez voir qui est là. Vous dormirez tranquille. Le cœur de Célio est à une autre et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage! Et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là! Vous voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer! En vérité? Oui! Sur mon âme! Ce soir! Demain matin, dimanche au plus tard, je lui appartenais! Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Il faut croire que sa passion pour moi était quelque chose comme du chinois ou de l'arabe! Qu'il lui fallait un interprète et qu'elle ne pouvait s'expliquer toute seule. Eh, raillez, raillez, nous ne vous craignons Ou plus. Peut-être que cet amour n'était encore qu'un petit enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice, en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première, en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait que la vôtre vous a versé sans doute et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne. Sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas les brouillons de vos harangues, donnez-les-moi de grâce, que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle, bien au contraire. Plus belle que Dieu a faite ainsi. Et le jour où, comme une galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez et qui ne laissera pas de trouver quelque niche respectable dans un confessionnal. Alors, c'est quoi ta réponse, Marianne? Mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis, lesquels amis décrètent à leur tour que, sous peine de mort, je serai sa maîtresse. La jeunesse napolitaine daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai à aimer le dit Seigneur Célio, d'ici à une huitaine de jours. Faisez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, alors convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt, faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, son livre de messe à la main, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum ?» Cousine, cousine, ne vous fâchez N'est-ce pas pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée, que l'éducation d'une fille, la fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose, et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate. Tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui Qu'est-ce de Célio. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile qui renferme une goutte de rosée?
que l'on porte à ses lèvres et puis bon, qu'on jette par-dessus son épaule. Une femme, c'est une partie de plaisir. Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une, oh, voilà une belle nuit qui passe. Et ne serait-ce pas un grand écolier hors de telle matière que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer. Ça va? Arrête. Et pour le clap. Bon Bussac. Amélie. Il s'est bussé ma cavio. On fait un clap de fin. Ouais. On fait un clap de fin. On est bon. Merci, c'est coupé. Bravo à vous. Merci beaucoup, messieurs dames. Merci à vous.